Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je présente la plateforme interne de Vantage FX qui s'appelle la ProTrader. Donc on va commencer déjà par les timeframes, pourquoi pas, et on va regarder, enfin en fin de compte, eh bien on a le 2h, le 3h qui est mis en plus, parce qu'en vérité, eh bien cette plateforme, elle va refléter ce que l'on fait sur MetaTrader 4. Donc tout les prises de position prises sur MT4 ou prises ici, eh bien, vont être prises en même temps sur les deux plateformes. C'est exactement les mêmes comptes, mais ce sont des plateformes différentes. Donc là, j'ai pris une position vendeuse à partir d'ici. Donc elle s'affiche ici. Hein, si on veut prendre des positions, on va à droite sur le menu. Et puis on met sur le marché, on met le nombre de lots. On peut mettre la prise de profit, donc le take profit et le stop. Et ensuite, eh bien, soit on vend, soit on achète, ouais, c'est ici, le bouton ensuite en bas pour valider. Hein. Donc on a plein de fonctions ici pour pouvoir avoir un petit peu des informations hein, sur la droite. Et puis ici sur les modèles, eh bien on a plusieurs modèles donc d'ouverture de graphique, soit un seul graphique, soit deux l'un côté de l'autre comme ceci ou horizontalement, etc. Donc il y a plein de possibilités avec cette plateforme qui est directement en ligne en fait. Il n'y a pas besoin de télécharger quelque chose, on l'a directement en ligne et on peut passer nos ordres. On a aussi des outils, des indicateurs comme ici. On a tous les indicateurs, pas forcément des indicateurs personnalisés, mais on a tous les indicateurs que la plateforme propose. Et puis à gauche ici le menu avec eh bien les lignes horizontales, verticales, les flèches, les rayons, etc. On a quand même pas mal de choses, on a du texte, etc. quoi. Voilà, donc moi j'ai ouvert en fait deux onglets. Donc j'ai ouvert en 1 heure et puis alors les deux sont 1 heure, sauf que là j'ai mis les bandes de Bollinger. Et puis celui-ci, ben, il est en 2 heures et en 3 heures, ce qui me permet d'avoir une appréciation du marché et bien sur ces timeframes-là. Et comme nous sommes arrivés sur un joli écart type ici avec une fin, avec une belle bougie et puis on avait eh bien des logis, j'ai pris une position vendeuse. J'ai monté profit qui est celle d'ouverture de cette grande bougie-là. Et voilà, donc ma méthode de trading à moi, c'est vraiment d'attendre des grands étirements et ensuite de jouer eh bien le retour, pas forcément de suite, mais avec une preuve. Par exemple, là, on avait eu le premier doji, le deuxième doji qui est en train de se réaliser et ensuite la descente qui était avec. Donc cette plateforme est pas mal. Ici, on a le gestionnaire de compte tout en bas. Et on peut voir par exemple la position qui est ouverte ici. On peut voir le solde, le crédit, le profit flottant et puis la marge libre. Donc ce sont tous les calculs qui peuvent vous être bénéfiques. À savoir Vantage, ils ont aussi leur application. Hein. Vous pouvez télécharger leur application sur votre téléphone. Mais bon, trader avec le téléphone, faut être adroit. Hein. Mais autrement, si on veut trader avec l'ordinateur, c'est quand même un peu mieux. On a une plus grande vue sur les graphiques. Ce que j'arrive pas à enlever, c'est quand on prend la position. Quand on met deux graphiques, ça va, mais quand on en met trois, eh bien le graphique n'est pas bien large parce qu'il y a en fait ces indications ici. Mais bon, j'ai pas réussi à l'enlever. On a pas mal de choses aussi au point de vue du stop et puis du profit. Hein, si on veut par exemple avoir un ratio. Avant de prendre position, par exemple, eh bien, on va pouvoir, par exemple, la taille du lot, si on met un lot, si on met stop ici, eh bien, le montant va être de 900 € de risqué, par exemple. Hein, donc, ça nous donne quand même un certain money management. Si on met 0,5, alors bon, ça, il faut étudier un petit peu les trucs, mais bon. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, ça peut être pas trop mal. Dans tous les cas, cette plateforme est pas mal. Donc c'est protrader.vantagemarkets.com et puis on peut la voir en couleur sombre ou en couleur claire et elle réplique en fin de compte eh bien les trades de MT4. Donc quelquefois la MT4 elle peut bugger et ici comme c'est directement en ligne franchement je pense vraiment pas que ça puisse bugger ou quoi que ce soit. Il suffit simplement de réactualiser si vraiment il y a un problème et ensuite ça reviendra quand même assez rapidement par rapport à la MT4 ou alors il va falloir la relancer etc. Ça peut être un petit peu plus long
Donc voilà pour cette vidéo rapide sur cette nouvelle plateforme. Donc si vous voulez ouvrir un compte Vantage, vous n'avez pas encore de compte. Si vous voulez ouvrir un compte réel minimum de 500 euros, vous pouvez le faire avec mon lien juste en dessous. Et en le faisant avec mon lien, vous aurez un coaching gratuit de 30 à 45 minutes où je vous expliquerai comment et bien je fais pour pouvoir trader le Bitcoin. Là, on est sur le Bitcoin. Donc voilà. Donc merci pour votre attention et à bientôt.